Salut, on s'appelle Macha. Comment est votre projet, votre groupe? Moi, je faisais un peu de musique chez moi, lui aussi, on s'est rassemblés, on aimait bien la chanson française tous les deux. On a décidé d'aller jouer sur les marchés au départ, dans la rue, ça a commencé comme ça. Et puis on a passé de bons moments, on a invité un batteur, on s'est dit qu'il manquait une section rythmique. On a commencé à répéter tous les trois, on a commencé à écrire des morceaux. Mathieu avait déjà des textes qui collaient bien à l'actualité, moi j'ai rajouté parfois des grilles. Et puis est arrivé notre ami Ouve, contrebassiste qu'on a rencontré Bergerac au Lombardique, sur une scène ouverte. Et puis quand on a joué tous les quatre, on a eu des étoiles dans les yeux, donc on a décidé de continuer. On ne peut pas vraiment nous classer dans un genre différent, un genre plus. On n'a pas que des textes engagés, on n'a pas que des textes poétiques, on ne joue pas que de la chanson française posée à la Brassens ou que du reggae, ou que du blues. Voilà, il y a un peu de jazz. J'aime bien toucher à plein de styles différents. HK est passé sur le marché de Bergerac. HK et Saint-Amand. Il nous a vu chanter sur le marché pendant le confinement et il est passé nous voir, il nous a dit « Vous connaissez les chansons à moi ?» Et comme par hasard, on en connaissait et du coup, on s'est retrouvé à chanter avec HK tous ensemble sur le marché de Bergerac pendant le confinement. Une source d'inspiration, je pense que c'est du coup en ce moment pas mal quand même l'actualité. On écrit tous les deux, alors on n'écrit pas forcément de la même manière, peut-être lui de manière un peu plus engagée, moi peut-être un peu plus rêveuse et poétique peut-être, mais c'est poétique quand même. Hein, merci. Je pense qu'on aimerait beaucoup partir en tournée tous les quatre en France et pourquoi pas Mes envies sont simples, juste en ce moment, j'ai juste envie de pouvoir vivre normalement, d'être libre. C'est du temps ensemble. D'être ensemble, pouvoir jouer. Salut. Vas-y, casse-toi, il faut que tu te rases de là. C'est un conseil pour toi, si tu ne bouges pas. Vas-y, casse-toi, il faut que tu te rases de là. C'est un conseil.